Là, je te rappelle un peu parce que ça va être. Bonjour, monsieur Darmer. Vous avez de la chance si vous. Bah voilà. Bonjour. Vous êtes belle et bronzée. Merci. Vous êtes fait mal? Dans les escaliers là-bas derrière. Bonjour. Aïe. Luxation de l'épaule. Voilà. En travaillant pour vous. Elle va pouvoir faire quelque chose pour vous. Allez. Tout juste. Oui, c'est ça, en juin, j'ai été diplômée. C'est fantastique. Vous souriez ? C'est, voilà, il est en train de faire un film. C'est ça. Bon, monsieur Lelouch, c'est... Oui, ça fait un peu ça. Regardez-moi. Juste remettre un. Ouais, un. Et encore, il n'y a pas de chaîne en or. Le décolleté ne vous voit pas. Caché. Tartuffe, caché ce sein que je ne saurais voir. Attention, je vais la prendre, cette fille. Thomas, tu l'as... Caché ce sein que je ne saurais voir. Et Tartuffe, le pauvre homme. On peut les archiver, celle-ci. Eh non. Si vous voulez, ouais. Mais je suis... Monsieur Lamberti. Monsieur Miguel. Lamberti. C'est une deuxième victoire. C'est la reconnaissance de ceux qui ont voté pour une politique, un homme et une équipe. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est un triptyque. Et je rajouterai deux choses. C'est parce qu'on a une éthique portée par une esthétique et parce qu'on aime nos concitoyens. Mais mon épouse qui est montée, pourrait vous le dire, depuis avril, quand je faisais les courses, avant de déclarer ma candidature, les gens venaient me voir où que je sois en ville. Je traversais la rue pour venir et me dire, monsieur le maire, il faut vous représenter. C'est pas donné, ça. C'est un signe qu'il se passe quelque chose entre la population et celui qu'ils vivent comme leur mère. Voilà. Et vous savez, quand je vous évoque ça, d'aussi loin qu'ils me souviennent, j'ai le souvenir de Marcel Brun, qui était socialiste et avec qui je discutais beaucoup plus tard, quand j'étais adolescent et jeune adulte, qui était le maire de Champagnac, que j'aimais beaucoup. C'était un homme ouvert qui aimait la discussion et qui aimait l'échange. Depuis tout petit, j'ai cette facilité à m'ouvrir aux gens, à leur parler, à leur dire bonjour, à m'intéresser, à les saluer et à les reconnaître. Voilà, donc c'est ce qui fait... Peut-être que ça doit jouer, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Vous me filmez, là? Oui. Non, c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Et le prochain mandat, j'imagine que vous allez prendre en compte tout ce qui s'est passé avec le coronavirus. Oh, 51,22. Maman est à la mairie. Mesdames et messieurs, l'homme qui a acheté les FFP2 qui ont permis aux podologues et aux gens du CHU. Salut les Roger. Bravo.
Fabien Doucet vient de gagner la mairie de Panazol. Oui. Attends, Fabien, Fabien, Fabien. C'est Fabien qui est en ligne. Applaudissez-le. Le maire sortant Les Républicains, Émile Roger Lamberti, est largement réélu avec un score qui frôle les 59%. Ce soir, c'est pour moi un moment de grande émotion. Pierre, qui était notre associé et qui était celui sans lequel nous n'aurions pas pu gagner en 2014. Oh, j'ai dit et je répète, je veux que vous gardiez ça comme formule. Une mairie, c'est un homme ou une femme. Là, c'est un homme qui est maire. C'est un homme, c'est une équipe, c'est un projet, un programme. Bravo à vous et merci à vous. Ne l'oubliez jamais. Cette victoire, c'est la vôtre. Vous qui êtes militants, vous qui avez travaillé pour faire en sorte que cette campagne soit la plus belle possible et soit la plus positive possible. Elle est aussi, et j'en suis très fier, elle est aussi celle de Guillaume.